Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous allez bien, nous allons continuer notre aventure avec Noah, Miyu et toute la bande et surtout découvrir ce qui les attend puisque nous devons aller à la marche de l'épée pour esquiver eh bien, nos propres colonies qui nous en veulent désormais. Parce que nous sommes des Ouroboros. Ah, on va avoir une petite tenue. Toutes ces caisses sont pleines de vêtements. Ingrédients pour tambouille aussi. Malana, tout de suite. Il y a de l'équipement dans celui-ci. Dans celui-là. C'est pas franchement l'idéal pour nous. Mais faudra bien faire avec. Pourquoi tu fais cette tête? Tu trouves rien à ta taille? Le tissu n'est pas bien épais. Je doute que ce soit de la qualité. On ne peut pas s'attendre à des articles de luxe. Ce sera toujours mieux que rien. À moins que tu préfères rester dans les vêtements que tu portes. Non, ça ira comme ça. Il faut bien faire des sacrifices. Ça peut peut-être coller, entre vous et moi. Ça là n'est pas mal. Les couleurs me plaisent. Pas franchement tendance, tout ça. Ils ne sont peut-être pas de première fraîcheur, mais au moins, ils n'ont pas de trous. Tu prends le rouge, évidemment. Curieux comme style, non? Tu m'étonnes. Il y a des trucs que je sais même pas comment les enfiler. Eh, on est bien là-dedans. Ah oui, il y en a d'autres? Disais, il n'y a que celui-là. Qu'est-ce que tu regardes, Noah? Eh bien, tu ne te changes pas? Hein? Oh, si, si. Une seconde. Faut d'abord que je trouve des bottes. Des bottes. Je vais te filer un coup de main. La gênance. Attendez, je viens aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à flipper comme ça? Ils auraient pu se changer ici. Ils sont partis drôlement loin. Il faut qu'ils arrêtent, c'est quoi ces nopons là? Sortez pas tout de la caisse. Prenez la caisse, c'est plus simple. Ah, on voit qui c'est qui vont être interliés, tu sais. Les deux qui font des pompes. Manana. Est-ce que c'est... Le temps qu'il me reste. Oui. Sympa. Imagine si je ne gardais pas l'œil dessus et que tout s'arrêtait sans prévenir. Il me reste 3 mois pile aujourd'hui. Sympa. Encore 3 mois. Et je n'existerai plus. Sympa. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. À ce que je pouvais accomplir, à ce qu'on retiendra de moi. J'ai guidé tant d'âmes qui s'inquiétaient de la même chose. Peut-être que t'auras pas à partir, je vois. C'est donc pour ça que tu as cru ce type. Tu voudrais vivre davantage? Je ne sais pas. Ça m'est égal, en fait. J'ai du mal à y croire. Cela dit, être là, à discuter avec toi, je trouve ça fabuleux. Alors si l'espoir existe vraiment, à l'endroit dont cet homme nous a parlé, c'est ça que tu voudrais qu'on retienne de toi? C'est bizarre comme question. Ceux qui parviennent à laisser une trace de leur passage, est-ce qu'ils partent l'esprit en paix? Et ceux qui restent, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'en satisfaire? Vaste question. J'y pense tout le temps. À ce qu'on laisse derrière nous.
et au véritable sens du lien concret de cette façon. Un lien, hein? C'est profond tout ça. Effectivement. C'est la vie qui veut ça. Ou la mort, ça dépend. Ça dépend le point de vue. Dans votre cas, gérer la mort quand même. Plus. Qui est-ce donc? C'est donc désactivé. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Voulez-vous sauvegarder votre partie sur le sur le journal comme ça? Tu me dis ouais, on va sauvegarder. Et les six sont là, très bien. Agnes et Kev, et Kev travaillant main dans la main. Sur le moment, je me sentais vraiment en phase avec ce jeune homme, malgré les bougonnements de Tyon. Pourquoi sur le moment? Il faut trouver un moyen de tous survivre. C'est la mission que je me fixe dorénavant. Ça veut dire qu'après c'est plus le cas? J'aime pas ça du tout. Vous restez ensemble, hein? C'est la guerre, encore. Toujours la bataille. C'est peut-être Agnus qui gagne cette fois. Ah, c'est le passé. Ah. Arrête de pleurer, Lance. Ça va rien changer. Faut que tu cours, d'accord? Ah, c'est quand ils ont perdu Yoran. Cours de toutes tes forces. Ça s'appelait comme ça. Cheveux verts. Je crois que c'était Yoran. Noah, par ici. Si on passe par là, on devrait s'en sortir. Bah du coup non. Oh non. Bah merde. Il était presque. Alors ça ne veut rien dire, j'ai regardé. Spark c'est étincelle, mais je sais pas pourquoi ils disent ça. C'est la traduction anglaise de Spark. Je sais pas pourquoi ils disent étincelle. Ça ne veut pas même pas dire merde non plus. On va dire merde. Salut toi. Qu'est-ce donc? Tellement chou. On les reconnaît bien, c'est vraiment bien, bien fait. On dirait Nia. Mio, pardon. Ils se ressemblent un peu, mais ils sont pas dans la même faction, donc c'est pas probable, mais... Je suis désolé. Pourquoi donc? Si j'avais été un peu plus rapide, bien d'autres vies auraient été épargnées. Et qui est? Ethel, de la colonie 4. Ok. Ethel, mante d'argent. En troisième période, elle avait déjà propulsé sa colonie au rang argent. Certains m'appellent ainsi, en effet. Mais ce n'est pas dans sa couleur que réside la valeur d'une personne. C'est là. Plutôt belle épée, hein. La jolie lame que tu as là. C'est pas d'où il l'a. Je suis très intrigué. Very, very much intrigued. Surtout depuis que je l'ai vu à côté de Monado et de celle de Pereira. Sur l'image du DLC. Ah,
Ça, on l'a vu, ça. Ce théâtre-là. Très étrange. Ils ne rigolent pas, ceux-là. C'est pas de tout repos, cette histoire de cours du destin. On a le droit à un éveil dans les règles. Tu étais bien sûr de toi quand tu t'es mis en route, dit. Tout ça pour revenir les mains vides. C'est bon, Pi. Je signale que je fais exactement ce qui était prévu. Ah, c'est donc eux. Et votre grand pari, alors? Dis-nous un peu comment ça s'est terminé. Oh, le Korbach. Sur une égalité, je dirais. J'avais pourtant déployé deux colonies entières. On a dû se mettre en marche sans attendre. L'affaire a été pliée en temps, à temps pour le goûter. C'est J qui a insisté. Vous en avez forcément été informé. J'imagine que c'est mon tour à présent. Tu as déjà bien profité l'autre jour quand tu as détruit la colonie 8, H. Mais c'est qui? C'est à moi maintenant. Un vacarme de la populace à un banquet. Z. Derrière l'architecte. Faut bien l'arrêter le cours. Il gérera de plus belle, pas la moindre fissure. C'est le propre du destin. Je crois te l'avoir déjà expliqué, D. Tiens donc. Toute la fine équipe est réunie. Pourquoi ils ne les montrent pas? Qu'est-ce qu'ils ont de si intéressant? Tu veux bien y aller? K. Si tu me le demandes, je m'exécute. Mais c'est qui? Voyons donc. Jusqu'où le portera le cours cette fois? Mais rajoute un peu plus de plot là. Putain. On n'avait pas suffisamment. Je vais finir tout le jeu, je vais devoir attendre 3 semaines. Et encore plus parce que le temps de le faire, mais 3 semaines avant de pouvoir y rejouer. Bon, j'ai encore de quoi 4 épisodes là. Enfin 3 en plus de celui-là. Ce qui est pas mal. Mais quand bien même. Ah, il part en combat. Non, ça part en cri d'hyène. On peut savoir à quoi vous jouez. Oui, c'est un peu de la gênance. Oh, Tyon, bonjour. Salut. On ne t'a pas réveillé au moins? Bah si, je pense. Si ce n'était que moi, je m'étonne que le continent entier n'ait pas été tiré du lit. Et alors? Ah, à quoi on joue? On se disait qu'on arriverait peut-être à faire le même coup que Noah et Mio. Ah, vraiment? L'histoire des Ouroboros? Bah ouais. Ce serait pas dément, ça? Et si on y arrivait, on aurait de bien meilleures chances de nous en tirer. Je crois donc que c'est si simple. Eh ben, je... Elle est pas... Ce n'est pas pour briser vos rêves. Mais vous n'êtes pas dit que c'était peut-être un pouvoir qui leur était réservé? Bah si, mais ce Mobius là, il a bien parlé de nous, tous, non? Alors je me suis dit, que toi aussi tu peux peut-être te transformer. Bah ouais, bah elle est pas conne. Qu'est-ce qui te ferait croire que ça marcherait avec lui d'abord? Mettons que ce soit possible, ça pourrait être aussi bien être Lance et moi. Disons que je le sens comme ça. Oui. Une sorte d'intuition quoi, pareil. Ça te pose un problème? Absolument pas. Je me retrouve donc avec elle. Oui, t'as pas ravi. J'allais dire, j'étais justement en train de penser. Tu en as de la chance. Ah bon? Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Laisse tomber, je n'ai aucune envie de me chamailler à cette heure-ci. D'autant moins que nous partons désormais une destinée commune, vénard que nous sommes. Et il a l'air content lui. Et donc, on croirait presque que tu fais tout possible pour nous énerver. Prends-le comme tu veux. Tu pourrais bien avoir raison, tu sais. Vraiment. Nous étions tous là, chacun d'entre nous. Nous avons vécu la même chose. Une petite seconde. La seule différence, c'est que j'ai voulu protéger Mio. Vous protéger tous. Et c'est là que je me suis transformé. Mais c'est tout. Rien de plus.
C'est tout. La transformation sera déclenchée par une émotion ou un désir profond. C'est possible. Pas sûr que ce soit dans les cordes du professeur Ronchon. Qui ça, moi? Qui d'autre? T'es pas pareil, peut-être. Moi? T'imagines que je vais fusionner avec toi? Tu rêves. Yoni? Non, mais c'est vrai, quoi. Pas à faire en un jour. Je ne crois pas que vous soyez prêts. Je vais dire, Yoni, Taïon, pas gagné au change. Il n'y a pas de mal à garder espoir. On va dire que ça se tient. N'empêche, les habits, ils ont bien trouvé. Hein. Ça lui va comme un gant à Noah. Bon, tout le monde est prêt? Oui. Plein de miam miam dans Besace à Manana. J'ai regardé Rapidos et en fait, c'est du bon matos. J'aurais pas cru comme ça. Tu trouves pas? Si, on dirait bien. C'est donc par là-bas. A priori. Cette cité que nous devons rejoindre. On dirait que la route va être longue. J'ai repéré une route vers le sud que nous pourrions emprunter. Cela vous conviendrait? Ouais. Il a changé ses habits, lui, parce que lui aussi, il s'est trouvé la petite écharpe et tout. Tout va bien. Merci, Taïon. Dites donc, vous en avez des infos pratiques, vous? Nous allons donc commencer par traverser les grottes, puis nous prendrons la direction de la prairie de Midlik. Alors, en route, tout le monde. Let's go! Dirigez un autre personnage, appuyez sur L ou R tout en maintenant Z et L pour changer le personnage que vous contrôlez au sein du groupe, aussi bien pendant l'exploration qu'en combat. Ça, on peut changer pendant le combat. Oh, ok. Ok, on peut vraiment changer. On va couper par cette grotte si on va aller vers le sud. Pourquoi tu fais comme si t'étais le chef? T'es pas le seul à faire des trucs, je te signale. Bah parce que c'est moi qui en impose le plus, t'as un problème avec ça? Alors, let's go. Ta-da-da-da-da. Ta-da-da-da. Hop. Mais ce qui est pratique, c'est que là, du coup, disons, je vais aller prendre Mio. Comme ça, je peux lui dire de prendre l'hostilité. Hop. Pas mal. Ça, c'est pratique, qu'on puisse changer facilement sur les 7 persos, enfin les 6 persos en plus. On peut en avoir un 7ème. Your life save. On va contrôler Noah, hein, je vous le dis. Principalement. Évidemment. Parce qu'après, on changera quand il faudra. Pendant les combats. Hop. Ah bah non. J'ai raté mon coup. Hop. Maintenant qu'on est 6, faut dire que les monstres, ils crèvent beaucoup plus vite. Hein. On est bien d'accord. C'est pas moi. Hein. J'aimerais bien voir Taïon ce qu'il fait. Hop. Ah, c'est un soigneur. Ok, je pensais pas que ce serait le soigneur. Du coup, si c'est logique. Noah, il est en mode. C'est tranquille, l'autre il est en PLS. Noah, il pousse avec le petit doigt, quoi. Hop. C'est par là au moins. J'arrive pas à me faire à tout ça. Pourquoi non? Et nous, qu'est-ce que tu crois qu'on ressent? C'est pas au courant de rien du tout. C'est une nouvelle bande de potes. Hop. Paf, paf, paf. C'est joli par là-bas. C'est de là où on vient. Tout sympa. Quelle vue magnifique. Ben voilà, j'étais en train de contempler. Attendez, c'est pas le bon chemin. Si. On va se retrouver dans la veille d'Alfeto par là-bas. Ça, c'est pas mal, je trouve. J'ai rajouté un peu de vie dans les dialogues. Dans l'exploration. La vue par là-bas est jolie aussi. Hein. Il y a un bout de plaine de gore là. Hein.
puis à l'épée. C'est Gormoth. Je sais pas lequel c'est de ce titan, mais... Prairie de Milik. De Milik. Auteur de Kimaris. Ouais bah si, hein. On est définitivement dans Xenoblade. Peut-être long voyage jusqu'à la grande épée. Eh bah tu m'étonnes. Tout ira bien, Mimi, tiens bon. Super loin surtout. Hey guys. Hey, je pourrais avoir votre attention une minute? Mais? Qu'est-ce qu'il y a? Un souci? Je vais de vous parler d'une chose. Cette présence. Sur qui va faire popote? Non. À partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on évite le combat autant que possible. Que ce soit Keeves ou Agnus qui attaquent, ne les tuez pas. C'est compris? Je dis pas que je suis contre, mais pourquoi? Parce que désinguer nos alliés, ça craint. Tu veux qu'on les assomme, alors? Ou qu'on les force à se rendre? C'est vraiment trop aimable. C'est nos victimes d'avant qui vont être contentes. Espèce de... Nous n'avons plus à tuer qui que ce soit. Il n'y a plus de raison de le faire. Si nous sommes rencontrés, il y a une raison, forcément. Tu crois? Si nous ne nous étions pas rencontrés, nous ne serions plus là à l'heure actuelle. Pourtant, nous sommes pourchassés à la fois par Agnus et Keeves, non? Si nous pourchassent, nous nous enfuyons, tout simplement. Ok. C'est nouveau, mais c'est un bon choix. Pas du tout dans la bonne direction. Sans fureur jusqu'à ce qu'on arrive à l'épée. Puis tu l'atteins, y a rien. T'es en PLS. On va avoir du mal à s'entendre. Laisse-nous un peu de temps. On se connaît à peine. Peut-être bien, ouais. C'est curieux, ces marques que tu as. Tu peux parler avec ce machin qui brille sur ta poitrine. On est comme ça. Nous. C'est ça, ils ont déjà. Ils ont déjà. C'est marrant. Je m'étais encore jamais dit que c'était bizarre. On a tous nos certitudes. On est tellement différents qu'on dirait qu'on n'est pas du même monde. On est tous du même monde. Ce sont des convictions qu'il faudrait remettre en question, en réalité. Les différences ne sont qu'un effet de perspective. Le sceptique a parlé. Dis donc, t'es comme ça tout le temps? Bien sûr, c'est dans ma nature. Non, moi je me fie à mes yeux, c'est encore le plus simple. Je suis pas mignon. Non, j'aurais voulu tuer ma tête. Pas du tout, j'ai dit que c'était mignon. Mais bien sûr. Tu me prends pour une débile, espèce de crétin. C'est n'importe quoi, on peut passer à autre chose, oui? Seulement quand je le dirai, connard. Faut d'abord que tu t'expliques, binoclaire. Non mais achevez-moi. Et Noah, lui, est en mode, bon, ils ont fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis, Mimi, ce serait pas Féronis à côté de ce gros rocher là-bas? Hein, Féronis, pardon. Hein? Curieux, nous n'avons aucune information concernant la présence d'une colonie dans ces parages. Oh. Regarde un peu ça, Noah. Il a pas l'air super vieux. Si. En effet, il n'est plus de première jeunesse. Ça m'étonnerait qu'une antiquité pareille soit encore en état de marche. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien à craindre? Commence pas à nous faire peur, Miyu. Désolé, tu n'as pas à t'excuser. On peut peut-être trouver du matériel exploitable à l'intérieur. Bah, peut-être. C'est une possibilité. Il est plus ou moins sur notre chemin, nous pourrions l'explorer sans faire de détour. Très bien, alors allons voir. Très bien. Nous allons aller voir la carcasse de la colline.
Merci le jeu pour cette pour cette vue. Je m'attendais pas. Niveau 14, c'est peut-être un peu tôt. Un peu too much. On peut essayer, hein. Ah bah, il a essayé pour nous. Hop. Pourquoi je peux pas l'attaquer? Ah. Hop. Ah parce que je ne visais pas le bon, yes. Hop. Paf. Et disons que je prends Miu. Aïe. Comme ça, je prends l'hostilité. Derrière, je prends Yuni. Elle a plus le soin, ok. Ah bah toi, un peu de soin, c'est bien. Ok. Toi aussi, t'es le... T'es l'hostilité. Stylé. Et Senna. C'est toi le... de flanc, c'est le DPS. Hop. Non. Ah non, je vais pas faire ça. Oni. Non. Comment je monte? Comment je monte? Je peux pas monter. Ah bah voilà. Ok, il était là, j'avais pas capté qu'il était là. Je me suis éjecté, très bien. Ouais mais zut! Mais ils sont buggés en fait. Ils sont complètement buggés. Ok bon, barre-toi. Comment je me barre déjà? Comment je me casse? Ah c'est ça, je fais A. Je reste appuyé sur A, ok. Ils nous ont... Ils nous ont éclaté là. Ça va pas du tout. Niveau combien en bas là? Va être niveau beaucoup trop. Niveau 14. Colline de Villaria. Ok, bon. C'est toi. Ça va dégager. Hop. Très très bon. Papa, papa. Là, il y en a un autre. Hop. Je me suis trompé. Hop. Parfait. Je pense qu'on va dégoter quelque chose d'utile. À niveau 80, yes. Aïe. Si tu pouvais ne pas nous regarder. Yes, merci. Ah, c'est l'histoire principale, c'est ça? T'as mis la carcasse, oh, ok. C'est la mission principale. Ah, il y a une fuite avec là. Mais c'est pas une fuite avec enfin. Bah non. Il est où? Ah, bah il est là. Ah, oui, il est pas seul d'ailleurs. Dépouille. Masse dépouille.
Les deux, évidemment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire du coup maintenant? On gagne plus de 100 affinités avec la colonie. Je pense qu'à un moment on va pouvoir revenir dans les colonies parce que sinon tout ce côté-là ne sert plus à rien. Côté les cartes de commerce là, stèle de Camos. Mais je peux pas y aller en fait là-haut. C'est vraiment pas par là. J'ai vraiment fait le con. Ah, on va s'arrêter là par contre d'ailleurs. Hop. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. On va s'arrêter là. Système sauvegardé. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.